Quart de finale de la Coupe UEFA des régions. Et le moins que l'on puisse dire est que les visiteurs grenadiens auront démarré la rencontre pied au plancher, en poussant le montant de Taider dès la première minute de jeu. Les grenadiens auvergnats dominateurs dans tous les compartiments de jeu et toujours très présents aux abords de la surface adverse, à l'image de quelques situations dangereuses et de l'avant-centre Boujou peut-être trop altruiste devant le but. Mais il ne fallait attendre que 15 minutes de jeu pour voir le score déjà défloré. Et Ouaoui profitait d'une relative apathie de la défense locale pour ajuster Taider. Bref, c'est bien Rhône-Alpes-Auvergne qui faisait le spectacle. Occitanie ne répondant que par intermittence sur un premier coup franc puis une frappe de Doukaini. Avant que Cannon ne précise lui aussi la menace devant le portier adverse. Sans pour autant que les locaux ne parviennent à sortir de l'étau adverse, toujours aussi bien refermé par de nouvelles tentatives de Boujou et du milieu de terrain Assef. Occitanie semblait pourtant bien revenu de la rencontre en début de seconde période, avec davantage d'impact dans les duels, et une première charge de Cannon captée par Rull. Mais l'embellie devait être de très courte durée, Rhône-Alpes-Auvergne reprenant la mainmise sur un centre d'Assef repris second poteau par Bouzit. Un coup d'assommoir pour les locaux, maintenant totalement sevrés de ballon par des visiteurs totalement mis en confiance et profitant aussi de grosses lacunes et de grossières erreurs, dont une permettant à Assef de définitivement plier le match. Bref, c'est un véritable festival visiteur que devait se résumer la fin de rencontre, et Rhône-Alpiens, à forte consonance nationale 3, faisant étalage complet de leur indiscutable supériorité technique pour manquer par plusieurs fois d'aggraver la marque. Chose finalement faite en toute fin de match, sur un pénalty transformé par Galigné et une très lourde défaite qui finalement ne devrait pas laisser trop de regrets aux joueurs d'Occitanie.